Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous avons le privilège d'accueillir sur ce plateau la ministre de la Culture, Madame Titni Joanne Raton, et le président du comité chargé d'organiser le carnaval cette année, Monsieur Grégory Sabat. Vraiment, c'est avec plaisir qu'on les accueille. Madame la ministre, bonjour. Merci d'accepter l'invitation de Métropole. Bonjour Andel, bonjour Grégory. Bonjour Madame. Du comité du carnaval. Bonjour à toute l'équipe de la radio Télé Métropole. Bonjour Haïti, bonjour aux opérateurs culturels. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Wendel. C'est plaisir, c'est avec encore plaisir pour moi là. Ça fait quoi? Quatrième émission nous là ensemble. Oui, rien que pour nous parler de carnaval. Bon, monsieur, il y a une question qu'un peu l'auditeur a peut-être que poser nous toutes. Est-ce que tout le bagage est pareil? Est-ce que nous parions pour lancer festivités, oh, Madame la ministre? Bon, mais moi, je crois que déjà, tout est déjà en œuvre pour une superbe représentation artistique dans le carnaval là, et que nous avons plusieurs réunions de travail avec la fédération des groupes déguisés. Nous avons plusieurs rencontres avec artistes, stylistes. Et moi-même, moi, je crois que tout le bagage est prêt, tout le bagage est paré pour nous avoir un bel carnaval riche en couleurs et en créativité. Et nous avons rencontres avec Renio Wayoto, au nombre de 45. Nous avons Reine des Reines lui-même qui est originaire de Pestel et puis Wadewa qui est originaire de Miragouane. Okay. Donc c'est le département qui est représenté. Anessa, chaque département va le présenter. Anessa, nous avons plusieurs départements qui sont là avec nous pour nous avoir un bel carnaval. Et nous avons une réunion tout que nous avons fait avec constructeur qui a fait Char Allégorique. Et Char Allégorique, il y a un nombre de 8 et qui pourra mettre en évidence particularité tout spécial département. Ok. Maintenant, avant de poser Grégory une question, qui est même quoi qu'en tant que président, ou même c'est président d'honneur, Madame la ministre? Oui. Tout à fait, parce que moi, je viens de comité à travail. Il m'a profité de l'occasion pour me donner aucun coup de chapeau par le comité SILA parce que son travail de fort passionné pour faire travailler carnaval là. Ok. Ah ben, Grégory, nous allons regarder pour nous qui sont réalisés. Et mercredi dernier, Luc Nergao a réalisé un reportage. Je vais faire un petit tour sur le champ de Mars. Nous allons regarder le reportage ça et puis ça va permettre nous une idée. Et pour pas dire de mercredi à jeudi, hein, qui changement qui fait, qui s'agit en fait. On suit un reportage de Radio et Télémétropole avec Luc Nergao. Une vérité qu'aujourd'hui encore, rien ne peut défier. Les Haïtiens ne négocient pas leur carnaval. Les exemples sont nombreux. 2004, 2011 et aujourd'hui en 2015. Le Champ de Mars enfile son costume d'époque. 117 stands sont déjà montés de l'avenue de la République à la rue Capois et n'attendent que les dernières touches. Jours et nuits, les ouvriers s'activent afin de pouvoir les remettre à temps à leurs propriétaires. Qu'ils soient peintres, menuisiers ou ébénistes, tout s'implique pour que dimanche, ces structures puissent recevoir les milliers de carnavaliers qui d'ailleurs ont déjà réservé leur place. En effet, s'il y a un secteur qui n'a pas fait grève, outre la presse, en ce début de semaine, c'est celui-là. Le comité organisateur, les groupes musicaux, les techniciens et les ouvriers n'ont pas chômé. Le carnaval doit avoir lieu ces 15, 16 et 17 février, peu importe la situation politique. Les chiffres ne mentent pas, le carnaval n'est pas hypothéqué. Les 117 stands construits par le comité organisateur ont tous été vendus au prix unitaire de 400 000 gourdes. Le secteur privé est donc à bord. Les 17 groupes musicaux sélectionnés pour le défilé se démènent afin de trouver la meilleure animation pour assurer le parcours. Les troupes de danse préparent leur chorégraphie. Bref, les pneus enflammés, les grosses pierres, les carcasses de véhicules et autres vont quitter la chaussée l'espace de 3 jours pour laisser place au déhanchement des carnavaliers. Après plus de 5 mois de manifestations, grèves, tensions, consultations et négociations, le pays veut respirer et rappeler à ses fils que yo tout c'est Haïti. Si seulement ce message pouvait faire écho
dans les bonnes oreilles. Mon seul devise, nous tous, c'est Haïti. C'est tout ça, c'est tout ça. Un reportage de Luc Niagaro et de mercredi, jour que le reportage santé est réalisé, à Jodian. D'ailleurs, il parlait de 117 stands. Ça semblait gagner un peu plus que ça. Un peu plus, nous, à 121. Et encore, Jean-Ouel, le travail ça a commencé depuis 10 jours de ça. Ça veut dire que nous arrivons à point nous pour livrer stands d'ici à soir. Parce que à cause de un retard, qu'on est le grève lundi avec mardi qu'on est c'est nous mêmes notre travail oui mais qu'on est ça pas affecté nous quand même il a fait nous parce que il y a deux employés qui travaillent avec firme compagnie constructeur pas de machine pour descendre pour devenir notre travail soit tout ça ça veut dire si tu connais qu'a gagne mettons compagnie en firme parce que nous avons 5 firmes qui construisent stand sauf si une compagnie qui gagne 40 monde qui construit pour lui tu gagne 10 qui viennent ou bien 15 qui viennent mais travail là pas jamais campé la police là t'est cerclé périmètre là pour constructeur qui fait jeudi à mercredi hier là côté nous rivé et qui fait que tout avancement en fait et sans pile préparation et Jean madame la ministre ce jour là si nous pas donc comité compte ça nous t'a faire vraiment il t'a dimanche matin nous là toujours il t'a dimanche matin nous là toujours mais d'après moi auditeur c'est comprendre nous pratiquement ce gouvernement sa 4e édition carnaval avec ou pas l'impression que chaque monde paye, je fais stand-by. C'est un bail qui est plus ou moins standard. Oui, il est plus ou moins standard, parce qu'il est plus facile. Parce que nous voulons que chambre à assemblée, ça veut dire que nous ne pouvons pas comme si on l'autre qui vient avec différents modèles. Et chaque monde, là, le standard, mais décoration, c'est où que faire. Ça veut dire que nous mettons tout standard, comme toujours Julie Wendell, fait et fourni. Ça veut dire que nous mettons tout bail paré, électricité, tout bagaille. Mais décourageons, parce que c'est pas blé, son produit que vous mettez. Parce que le monde qui vient à Gessana, pas qu'il vienne au Brésil, son produit que la vente, son produit que le mettez tout. So, là encore, il fait décoration. So, ça, c'est le choix, mettre ce temps-là, il fait décoration. Même les gars ont dit que c'est 400 000 gouttes par stand. C'est même prière. Tu regardes après tout déjà? Bon, presque, oui, là, parce que c'est peut-être ça qui fait nous construire des tout en plus, mais nous avons deux, trois toujours qui avaient le bol. Parce que l'année, ça n'a pas oublié, le carnaval des fleurs, là, nous toujours campé dans Wimani. C'est le carnaval national, nous avons fait ça, nous dépasser. Nous arrivons avant Rex Théâtre. Et nous devons arriver même à Rex Théâtre, mais nous déjeunons un rapport qu'on est après le tremblement de terre là. Rex Théâtre est fissuré, il y a un bail qui est arrivé. Lorsque tout décibel, ça, qui est arrivé là, qui est arrivé à jouer musique, nous pas avec le monde qui vient camper, bon Rex Théâtre là. Faut nous veiller tout, vie bien. Ok. Des carnavaliers. Je vais parler avec le ministre, je vais retourner sur Grégory Saba et avec madame la ministre. Tu as semblé que gagner des nouveautés, des touches nouvelles, si vous voulez, dans le carnaval là, Nissa. Tout à fait. Nous connaissons que toujours un problème au niveau logistique. Et puis nous-mêmes, nous travaillons avec le comité logistique là, le comité logistique artistique. Et puis un comité qui est là pour assurer la sécurité et tout. Pour nous capables d'un carnaval qui vraiment au niveau logistique bien préparé. Donc dans ce sens ça, nous gagnons le contrôle que nous avons fait au niveau de sonorisation sous stand-yo avec sous chariot. Et puis, nous permettons tout à carnavalier, puis nous avons un bel défilé, puis ouais, pour apprécier un bel défilé artistique et culturel. D'abord, sur point ça avec nous, on va prendre qui est sous disposition nous prendre. Parce que nous avons un problème, nous faisons expérience là, en pile côté de carnaval, même Jacques Mel, tout public là, toujours envahi espace côté Mounio à performer. Hein. C'est-à-dire que nous prenons tout ça en compte, pour nous, non seulement pour limiter le temps. Qui ont défilé, hein, défilé artistique là, et chants musicaux, et puis nous prenons en compte tout en considération, ça ne décabre les performances, circulation, population dans le défilé. Hein. Donc nous avons une équipe assez solide qui travaille sur ça, et nous profitons de l'occasion pour nous faire un coup de chapeau, par le directeur général, tant que Théâtre National qui est là avec nous, Bureau National Ethnologie qui est là, et puis Enart, tout le monde est vraiment passionné de sa affaire. Et nous voulons qu'aucun coup de chapeau pour eux parce que ils permettent nous d'avoir une vision artistique tout pour nous d'avoir un bel carnaval. Donc spectacle là, l'a annoncé bien année et ça ou même en tant que responsable logistique, nous t'entendez touche pas ministre là, qui ça quoi faire différence là en plus que dépasser avenue Mali année ça. Bon et c'est parce que même nous travaillons là, nous toujours prêts.
Parce que je ne pas oublier que la police là pour accompagner nous. Parce que nous faisons plusieurs réunions à la police pour accompagner nous. Parce que on est devant chaque char, on a une équipe logistique. Sur so, logistique, ça, c'est lui-même avec appui de la police hein, qui va aider le faire travail là, comme chaque année. Et de année en année, il est amélioré. Parce qu'on a toujours un petit problème que à faire de tel jazz qu'on colle trop près l'autre là. De année en année, nous résoudons. So, et logistique là vraiment préparé avec la police. Et la police, la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, ou bien juge de secours et protection civile. So, oui. Tout le monde savait. Hier, on a eu une séance sous chambre ça avec juge de secours, avec toute équipe. Parce que ça, c'est le premier point, ça, c'est ça qui est important. C'est le monde qui est là pour assurer soin, pour ce qu'on est disposé. Mais parce qu'on est là, il est full, toujours quand il y a qui arrive. Oui, parce que je me souviens que l'année passée, il y a des unités de secours qui étaient mobilisées. C'est des unités mobiles qui étaient connues. Oui, tout le monde savait. Et pas oublier qu'il y a l'hôpital, la première dame là. Qui est toujours là, qui est toujours pourtant pile secours tout, qui est bien préparé. Et même quand il y a une année, ça surplus, ça veut dire qu'il y a un ambulancier de voiture, ou même une motocyclette, ambulancier qui est venu avec et de l'hôpital Première Dame. Là. Mm-hmm. So, là encore, son bel effort qui fait, on applaudit. Et parce que, encore, parce qu'après un pile de monde, Wendell, c'est le carnaval national. Oui, oui. Pourquoi chaque dimanche, ça a passé? Oui, ni Pétionville, ni Chamas. Bon, on va d'accord tout que, depuis le tambour frappé, donc, qu'il y a tout le monde content, c'est ça aujourd'hui. Voilà. Depuis après, tu dis aujourd'hui à la. Et c'est pour moi que les Haïtiens ont vraiment renégocié la question carnaval. Et on dit qu'on peut avoir plein tour avec nous. Nous prenons ça? Bien sûr. Comment ça? Parce que le carnaval là, c'est pour nous tous. Si les gens qui ont plein, on dit qu'on peut participer avec nous dans des défilés artistiques carnaval là. Ok, donc, pendant 3 jours, grave. Pendant 3 jours, grave. Alors, qu'on espace non aménagé pour ça. Tout à fait. Donc, il y a un défilé. Il y a un défilé. Tout à fait. Bon, eh bien, ok. On prend une petite pause et puis on retourne après pour nous parler de l'autre question, évidemment, qui est en rapport avec carnaval. On fait ça tout de suite après pause là. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités aujourd'hui, madame la ministre, en fait, la ministre de la Culture, madame Dittney Joanne Raton, et le président chargé d'organiser le carnaval cette année, monsieur Grégory Saba. Merci de votre intérêt. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. C'est la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Deux invités aujourd'hui pour parler des festivités carnavalesques qui vont être lancées ce week-end. La ministre de la Culture, madame Dittney Joanne Raton, et le président du comité du carnaval, Grégory Saba. Merci encore une fois, madame, monsieur, de votre intérêt. Pendant pause là, auditeur a profité de poser une question. Quelques petites questions pour nous. Il y a même demandé pour que ça ne pas permettre que vous posiez des questions directement. Bon, ce n'était pas prévu. Nous ne pouvons pas improviser. Et il y a un auditeur qui fait une remarque. Il a parlé, par exemple, de centre d'urgence et unité de secours. Yo. Il dit que l'année dernière, il n'y a pas de pompe. C'est un monde qui est asthmatique. Est-ce que nous pensons à ça? Est-ce que nous pensons à un pile monde qui est capable de venir dans le carnaval et qui est éventuellement capable de vivre dans une situation où tu as besoin pompe et si jamais crise asthme t'a pris? Je vais répondre à ça. 2 ans de ça, le premier carnaval que j'ai fait, bon dame, c'est moi personnellement qui tout fait, qui est asthmatique. C'est moi avec l'équipe, moi et le comité avec la sécurité qui est avec nous, nous prenons le mener sous stand première dame là. Et qui était prêt pour ça. Sur le stand l'hôpital là, sur l'hôpital de la première dame là, qui l'hôpital là, qui a équipement pour ça, parce que y a des docteurs qui étaient là et te gagné pour pompe ça que auditeur Mandolan, y a gagné lui et monsieur avec docteur Serena qui est responsable urgence et secours là tout, y a gagné lui qui l'a mis pana, pas blé, gagné au hôpital qui l'a tout l'a mis pana, il y a tout équipement ça tout pour tout cas qui préventif qui peut arriver parce que ça c'est et dame ça même moment
Après 30 minutes, il était stabilisé. Et okay. L'été. Donc ça veut dire que nous avons pensé à ça déjà. Oui, nous avons pensé à ça déjà. C'est ces réponses-là. Donc, oui, c'est... nous avons pensé à ça. Et Madame la ministre, il y a un auditeur qui dit qui voudrait être le carnaval à Nissa. Nous tous, c'est Haïti. Nous tous, c'est Haïti, c'est le carnaval à Nissa. Et que son appel lancé par l'administration Martelly Paul. C'est un thème qui demande tout le monde à nous faire la paix, réconciliation, tout le monde met ensemble pour nous Haïti monter. Moi, j'ai besoin de commenter, peut-être avant l'émission, on finit sur un slogan dans la rue, on va payer mon chance, quitter pays en avancé. Mais pourquoi répondre moi, tu es mal avec Grégory. Question de Don Kato, est-ce que les résoudre? Est-ce que nous avons le char? Bon, jusqu'à présent, oui. Mais Don Kato, sur liste comité A, c'est. Nous reculons officiellement, moi-même je reculons officiellement mercredi encore. Après, nous faisons des réunions, parce que pas chaque année. Nous avons un responsable, un secrétariat qui relie tout le jour, nous faisons des réunions. Nous faisons au moins une, nous faisons une deuxième. Et le manager là, premièrement, je te relie, le manager a te répondre que oui, la voyer, qui c'est Thomas, qui était le tape voyer un représentant, qui n'est pas venu. Et bien, grève lundi, mardi, et qui depuis lundi des programmes pour me voir une lettre qu'on a on dit monsieur et manager Don Kato que nous on charge nous avons des réunions qui se fait comment faire pas présent que nous voyons mercredi que nous recevoir et que le manager a recevoir lettre et groupe là pour invitation que ou pas présent parce que jusqu'à aujourd'hui en parlant voilà Don Kato parmi les comités c'est dans la station de radio que nous attendait que Don Kato dit le pape sorti. Mais nous-mêmes, comité, nous avons reçu une lettre, même j'ai que me une lettre officielle, pour me demander que, comment faire que nous ne venions pas là, réunion avec Diage, parce que nous sommes sous deuxième réunion avec Diage déjà, et présent sur page en fait. Soit c'est dans la station de radio que m'attendais que je dis que Don Kato dit le pape. Il est informé ou non, pas informé, que il dit le pape participe, il est informé. Okay. Don Kato est informé. Il est informé que le pape vini là, que le pape. Participer pendant 3 jours de gare. Ou l'autre auditeur qui dit que 117 ou bien 121 stands qui gagnent, est-ce que tous ces stands privés que vous avez, c'est stand de l'État? Bon, et encore, presque tous ces privés, parce que l'État, jusqu'à présent, à part du ministère de la Culture, ministère du Tourisme, et communication, il y a affaires étrangères, parce que pour avoir une équipe via les ambassadeurs de VIP Cap. Sous stand affaires étrangères là. Et puis, on stand gouvernement. Et le carnaval a fait comme ça. Qui rôle par exemple, ministère intérieur jouer là-dedans? Bon, ministère intérieur, pas oublier que l'hypothèse à Paul et surtout l'affaire. Collectivité territoriale. Exactement. Collectivité territoriale. Et puis, ben, on supporte tout la sécurité publique au niveau logistique. Yo estimé par exemple une organisation qui est les Oxfam qui t'a exprimé inquiétude li sur gens autres qui étaient femmes dans le carnaval. Est-ce que madame la ministre ça t'est une préoccupation pour tout? Oui, parce que nous travaillons de concert avec le ministère conditions femmes dans lui-même qui a défilé dans le carnaval là et puis qui a des messages qu'il a fait passer auprès de festivaliers et c'est important pour nous prendre quatre femmes dans yo en considération. Grégory Saba, et dernier carnaval qui était fait là, c'était carnaval des fleurs. Et nous toujours publié bilan, carnaval ça, dépenses, rentrées, bah, comme ça. Oui, nous, après carnaval, nous toujours bah, et même j'adore, mais avant nous faire chaque carnaval, nous toujours bon bilan prévisionnel. So, nous toujours balé. On allait pour carnaval des fleurs, pour dernier carnaval des fleurs, est-ce que tu as rentré, tu as un profit? Et oui, ça veut dire que nous n'avons pas gagné autant de profits possible, mais quand même que nous n'avons pas sorti vraiment perdant. So, et là encore, cette année, ça nous a souhaité, mais nous avons souhaité que nous sortions even, pour moi, parce qu'avec les retards qu'on trouve, même garantir qu'on a diminué nos dépenses aussi. Parce que pour qu'on avance ça, nous devons prévoir un budget, mais on a diminué. Okay. On a... Comment nous devons prévoir? Bon, nous devons voir parce que 130 et 50, bon, 143 millions de gouttes, mais je ne veux pas diminuer. Nous avons diminué les dépenses. Ça veut dire, mettons, nous venons en budget, nous venons en proposition. Moi et ma ministre, nous toujours chiter ensemble. Nous disons, bon, nous avons fait telle proposition. Parce que pour nous make sure, nous ne pas quitter dette. Donc, plus de 100 millions de gouttes. Alors, oui. Près de 150 millions. Non, pas tout ça. Ah, mais combien les 100? Nous faisons prévisionnel de 143 millions de gouttes. 143 millions. Mais, garantissons, nous ne pas arriver là. Oui, mais combien nous jeunes? Bon, nous jeunes presque 80,
80, 60. Pas les jours, j'ai un cop qui peut rentrer. Ni demain, parce que j'ai un cop qui peut rentrer, même jour carnaval là. Oui, il y a un cop confirmé. Jeudi et demain, et même dimanche. Sur la moque avec Joe, exact chiffre, exact. Mais nous avons 70% que nous avons rentré. À qui autre secteur privé a participé à ça? Bon, secteur privé à présent. Encore, il est toujours présent. Et là, nous ne pas plein. C'est toujours même gens. Pour, si je pas de retour lundi, mardi, à deux secteurs privés, parce que à cause de grève, d'abord exactement. Mais je garantis, d'ici demain après-midi, le secteur privé a privé la même salle qu'on y va avec 80%, 20%. Et bon, l'autre auditeur qui dit nous, est-ce que nous réservons espace pour danse avec meilleure image au carnaval là? Comme meilleur espace pour danser, c'est-à-dire que peut-être mon cas exécuter chorégraphie. Et c'est dans le parcours là. Donc nous pouvons voir un système de logistique là qui va l'accompagner, qui va encadrer acteurs sérieux pour nous avoir une belle visibilité au niveau de créativité, création artistique et culturelle. Donc un espace qui est réservé avec équipe logistique là. Madame et pour Imagio, le ministère de la Communication lui-même, qui travaille vraiment pour qu'on ait une belle image au niveau, enfin, au niveau Haïti et au niveau extérieur. Madame la ministre, Antoine Sousamdi dit tout à l'heure, hein, question slogan by Haïti on chance, ou bien quitter pays marché, quelque chose de ce genre que moi presque dans tout chat, yo, son initiative gouvernement liée ou bien nous ne connaissons pas côté aussi, ou bien est-ce que c'est privé hein? Non, non. Moi-même, personnellement, par contre, qui veut sortir. Et que la seule chose que je dis, je pense que c'est une initiative côté que les Haïtiens qui remet pays, hein, qui voulaient pays hein, avancer. Donc, nous sommes capables de féliciter eux. Moi, je crois que l'île est tantôt pour pays en grande chance, pour être capable d'avancer, pour être capable d'avancer, pour arriver plus devant. Donc, nous féliciter les gens. Moi, par contre, qui va sortir, même penser que c'est une belle initiative. Grégory, vous commentez par rapport à ça? Bon, et vraiment, c'est une belle idée. Mon Givin avait là. Parce que vraiment, Jodia, si on regarde vraiment, c'est bien payer une chance. Parce que Jodia, à côté de Point Rivière, après tout le travail qui fait une fête là, pendant 4 dernières années, ça, là, surtout dans la culture, là, surtout dans la présentation, image pays ça, de. Tout investisseur qui a venu, encore regardez pour le carnaval là et Wendell. Regardez l'affaire avion, regardez ça qui a fait. En pile, mon avocat. En pile, ils font spécial. Ou bien consulat à Miami, ou bien ministre touriste qui font travail. Bel travail. Parce que le regard de prix pour mon entrée en Haïti là, ils ont toujours dit que depuis le temps de ce long week-end, American Airlines, ou bien JetBlue, ou bien Delta, ils ont monté prix, ou bien c'est. Allez, ça, pour 330 $, ils viennent dans le carnaval là. Sorti qui bon, Floride? Floride et New York, $293. So, là, il y a un bel travail qui fait. Donc, ça veut dire que jeudi, on a tout le monde rentré. Est-ce qu'il y a une place? Parce que en plus, on a rentré. Parce que en hôtel, plus, on a rentré. Rentré déjà. Parce que hier, nous, je n'ai pas hier soir, pendant la construction de Stagno, je dis, c'est tout incroyable, bien sûr, chez Mas. Parce que nous oublions. Et EDH, vraiment, aidez-nous. Parce qu'ils font un bel travail depuis le premier pré-carnaval, ça. Il a éclairé Chamas. Et puis hier, vraiment, on est venu ajouter en pile structure, parce qu'on a le carnaval là, pendant 3 jours, sur leur bagaille. Il a dit, comme si hier, c'est comme si Chamas éclairé. So, et on a regardé, où il y a mon hôtel Le Plaza, où il y a tout hôtel, il y a Best Western, là, et Oasis, là, et Kina Motel. Donc, on a débarqué. Mais parce que là, je n'ai pas préparé, et on a toujours répondu, parce que deux années en année, il faut faire. Deux années en année, il y a que. Vraiment, le carnaval là, tout le monde l'autre bagaille. Ok? Et vraiment, mon envie, et je l'ai regardé tout. Quand je suis à la caille Wendel, je suis au chita dimanche, ou pas aller me garantir le lundi matin, je vais descendre. Et encore, nous faisons un bel travail encore avec la police, parce que la police a place souterrain. Parce que moi, je ne vais vraiment. Non, même faire plus parler. Non, j'ai une question pour la police, mais. Parce que je connais quelques questions pour me poser, c'est eux-mêmes, et pas eux-mêmes. Pour poser les. Par exemple, il y a un problème qui est arrivé, c'est la police qu'on. Bon, alors il y a deux problèmes. Parfois, dans le cas haïtien, il y a un peu de monde qui est blessé, c'est la police qui bat, qui fait blesser tout. Ça qu'on y va. Hein? Deuxièmement, alors si vous avez répondu à la question, ça pour que ça obligé de brutalité. Et deuxièmement, parfois, quand il y a des gens qui sont victimes, ce n'est pas pendant le carnaval, là, véritablement, c'est le après la caillou. Quand il y a des gens qui attaquent. Donc, ça, c'est la police qui a répondu à la question, ça, Grégory. Mais nous te posons une question, ça, nous même pas la veille, parce que nous faisons des réunions, nous, et nous avons notre réunion avec, avant le carnaval. Là, nous faisons deux réunions avec déjà, comme chaque année, chaque fois.
Parce que nous même problème nous, c'est, OK, nous connaît que la police est présent pendant parcours là. Mm-hmm. Parce que il y a toujours bah, nous presque 1200 entre 1200 et 1300 policiers et année ça bien plus. Mm-hmm. C'est toujours problème là j'en saute dire là, bon il faut qu'il fait parce que j'en dis à des au cap. Mais je regarde plusieurs canaux avec ce passé à la 4 minimes surtout pour les gens dans la caille. Mm-hmm. Parce que la police make sure que avant carnaval là, yo là parce que ou bien avant carnaval là. Pendant le carnaval et après le carnaval. Oui, oui. Donc ça veut dire que la police gagne un pile travail pour le faire. Bon, la police est là pour l'adapter de plus près à circonstances et exigences population pour protéger vie et sécurité mounio bien mounio. Donc moi crois que yo prêt, yo paré pour yo capable la sécurité dans la période ça. Quel vrai message nous pensez que tu as dû circuler pendant le carnaval là, Nisa? Bon, de façon générale, moi-même, je suis capable de dire que le carnaval là, ce n'est pas seulement une occasion annuelle de réjouissance populaire. C'est tout, je suis capable de dire, c'est une industrie à part entière que liée. Il faut que nous comprenions que il y a plusieurs monde qui bénéficient dans l'activité là, son activité économique. Qui permettent mon yo gain ou augmentation dans activité yo. Donc moi capable dire que on nous accompagner jeune yo, on accompagner mesdames yo, on nous protéger grand moun yo. C'est tout monde qui peut participer dans carnaval ça, dans festivité ça et que c'est important pour nous considérer tout monde ça yo en dans ou activité comme ça. Oui. D'après vous-même, on va ajouter un bagage sur le message qui t'a doué dominer le carnaval. Bon, et madame la ministre, bon, presque vraiment, message. Hein? Mais moi, je toujours dit tout le monde, on mette, c'est toujours même phrase, mais toujours belle là. Son belle initiative. Pas oublier, je dis à la, son visage, son pays n'a pas, parce qu'en pile, mon absolu non. En plus, on a regardé nous. L'air que nous, c'est main dans la main, c'est frère, nous. C'est même, genre, quel est le terme là, nous, tout c'est Haïti. On présente, on montre tout le monde que nous-mêmes, c'est son pays, je dis. Soit fait de pays, soit fait de images, soit fait de. Nous tous, les gens sont demandés pour thème là, on va être en chance. Parce que vraiment, nous tous haïtiens, et je dis à là, dans le stade de nous rivière, là, nous ne pouvons pas faire bac encore. Parce que nous vraiment avancer. Mais nous ne pouvons pas faire bac. Quitter le pays à marcher. Et puis protéger mesdames et tout, n'est-ce pas, madame la ministre? Tout à fait, protéger mesdames. Grand monde pour Timon. On dit protéger. Grand monde qui a dégagé vous. On dit Timon, mesdames. Et grand monde, grand pile, grand monde qui est dans le carnaval. Bon, là, et par contre, parce que moi-même, tout le monde sait que c'est grand monde. Moi, Gregory, c'est grand monde qui est dans le carnaval. Bon, regardez, vous. Là, j'ai apporté sur nous. Alors, il y a un point que je vais nous aller, ça ne va pas retourner sur lui, c'est question de monde qui a des handicaps. Qui a participé dans le carnaval là. Donc, madame la ministre, vous pouvez garantir que vous êtes capable de participer dans le défilé sans défiler. Problème. Ça va défiler, il y a une association qui est handicapé qui a défilé, qui a participé dans le défilé carnaval là. Pendant 3 jours. Pendant 3 jours, il y a dansé. Combien de groupes ont participé, Grégory? Jusqu'à présent, nous avons un comité avec 16 groupes. Retenus, plus nous avons 17e groupe qui c'est Bel Plaisir, qui est par demande de. La mairie de Port-au-Prince, parce que nous toujours fait, qui a venu avec toute sponsorisation, qui a venu avec tout à fait, les mêmes au complet, qui a écrit nous officiellement et que nous avons eu l'autorisation avec normes. Parce que Fauchard là, même avec Charles Panouyo, avec normes là, parce qu'on connaît que c'est des chars de 20 pieds, on a réduit Charles, c'est avec même normes là, qui respectait sa comité à Mandéa et de là, la partie, parce que nous toujours fait. Pour, nous toujours faire bon char, nous toujours faire parce que nous connaissons des panoramas de cailles que nous faisons 2 fois pour lui. So, maire de pauvre, ça devine, nous dit l'écrit nous l'écrit là et que nous. Oh, ok. À qui le n'a pas lancé festivité au dimanche? 2 heures, c'est, et n'a pas lancé les. Mais le carnaval artistique, le défi artistique a commencé 3 heures carnaval à la guerre. Ok. Et parcours? Avant, parcours là, Diazio. Quand je me connais tout, on attendait. Quand tout dit, parce que Diazio, on a blagué Diazio à 5 heures de l'après-midi. Nous toujours eu le même problème à chaque année. Parce que je me toujours dit, ça fait qu'on a eu le temps là, on a certifié que le temps là pas assez grand. Et on connaît, il faut passer inspection, il faut circulation, faire inspection avec eux, sécurité publique,
avec les chauffeurs camion, faut tout bailler ça au fait. Parce que dès que le défilé anticycle est fini, nous attendons que le défilé, depuis le dernier groupe, qui était arrivé bon DGI, nous-mêmes, logistique là, nous l'avons. À 5 heures de l'après-midi, Diaz a blagué parce que, avant, il y a plein que il a commencé tard, et puis Diaz est arrivé tard, nous pas voulu. Et même l'orchestre qu'on dit, qu'on a joué, que les 2 heures du matin pour arriver chez Mars, mais il n'a pas réalisé tout. C'est eux qu'on a eu tard là. On est des nègres, c'est superstar, oui. Il y a pas. Donc on dit, ben on l'a. Oui, mais nous avons géré ça nous-mêmes. Oui, nous avons géré ça. Année ça, la très strict. Avec logique. Avec logique, la très strict. Parce que les jazz haïtiens, ça, qu'on allait jouer à New York, là, au carnaval New York, on l'a eu passé. Ça dit, si on ne va pas s'inspectionner, bon, on l'a, il y a campé. Nous-mêmes, notre très strict, parce que nous n'avons pas fait retard, trop retard là, parce que c'est toujours M. Sakba, nous retard là. Donc, un groupe qui est un superstar. Ah, parce que nous strict, parce que nous voulons finir le carnaval la bonheur, parce que Pabli fait noir bonheur, 5h30 fait noir. So, pendant le carnaval. Bon, nous avons dit qu'on a fermé le premier jour. Bon, premier jour, deuxième jour, nous avons dit qu'on a fermé niveau officiel. Mais nous avons calculé pour nous fermer. Jusqu'au petit matin. Jusqu'au petit matin. Voilà. Mais dernier jour, dernier jour, jusqu'au petit après-midi. Dernier jour, après-midi. Parce qu'on connaît que ces derniers jours, mercredi, c'est congé. On est arrêté de sortir. Lundi, c'est demi-journée et jusqu'à midi. Mardi, férié. À partir de midi. À partir de midi. Lundi. Et mardi, férié. Mercredi, férié. Madame la ministre, ce qu'a dit auditeur et téléspectateur là comme dernier mot. Bon, m'a bon qu'on coup de chapeau bay mon nono qui a organisé un carnaval tout, n'a salué mon nono Tibonite, n'a salué mon nono Nip grande danse, n'a salué mon Gonaïve, n'a bon qu'on coup de chapeau bay mon nono sud-est sud et puis n'a dit tout le monde joyeux carnaval. Oui, et puis pendant le samedi, il y a un AKM qui a pris le carnaval tout. AKM, et puis il y a un Romel Bernadel qui a pris l'intervenu aujourd'hui en sommet pour annoncer qu'il y a un gros carnaval dans la grande danse. Et M. Baguet a intervenu sur ça. Donc tout le pays dans le carnaval. Tout le pays dans le carnaval. Tout le pays. Et il y a un budget pour ça. Bon, nous prévoyons de concert avec le ministère de l'Intérieur une subvention pour accompagner les collectivités territoriales. Grégory, dernier mot à saluer. Bon, c'est Napton tout le monde. Vin pas plaisir non, c'est pas un bel carnaval, pas le son carnaval national qui a fait Port-au-Prince. N'attend tout le monde venir, vin pas plaisir, vin amuser nous, parce que la police garantit nous sécurité à plat et sécurité à plat, parce que son belle ambiance. Donc, pile mon cap venir, pile mon cap sortir tout pays, même si vous avez un carnaval qui a fait dans tout territoire là, pile mon cap descendre Port-au-Prince, parce que Port-au-Prince, carnaval national là, son autre bagaille. Pas lié, pas négocié. Pas négociable. Et dans des nouvelles dit que pas de carnaval des fleurs année ça, nous avons confirmé ça pour moi. Oui, non. C'est confirmé. C'est confirmé. Non. Merci infiniment. Merci Wendel. Vous avez suivi madame monsieur la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Deux invités aujourd'hui, la ministre de la Culture, madame Dittany Joanne Raton et le président du comité du carnaval Grégory Sabat. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Merci d'accorder de l'importance à tout ce qui vient d'être dit à cette émission. Passez une bonne journée et surtout un bon week-end pré-carnavalesque, mais surtout un joyeux carnaval. C'est ce que nous vous souhaitons de tout cœur. Passez surtout une bonne journée avec Métropole. Et à bientôt. Merci. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins. À 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titonique.